Ah voilà, dans mon grenier, j'ai une collection de Johnny. Et ce matin, je me lève. Une collection pour... quoi? Une collection consacrée à Johnny Hallyday, la plus importante du département d'ailleurs. Et ce matin. C'est ça? Une collection consacrée à Johnny Hallyday. Je suis un très grand fan. C'est un acteur américain? Je suis en train de vous parler de Johnny Hallyday, le plus grand chanteur français de tous les temps, là. Désolé, je sais pas qui c'est. Vous ne savez pas qui c'est? Hein? Pardonnez-moi, je voudrais parler à un homme maintenant. Un fonctionnaire de police avec une matraque, un képi, un homme. Je vous conviens pas? Non, pas vraiment, c'est une affaire d'homme, soyez gentil, excusez-moi. Bonjour monsieur, quel est votre problème? On m'a volé tous mes disques de Johnny Hallyday, sans compter la collection complète d'objets collector. Excusez-moi. Les disques de qui? Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Vous le faites exprès là, non? Mais c'est quoi ce bordel? Je vous parle de Johnny Hallyday! Bon, je reviendrai, d'accord? Je reviendrai, je vais aller prendre l'air. Deux dingues, quoi. Deux dingues. Monsieur! Excusez-moi! Vous connaissez Johnny Hallyday, n'est-ce pas? Non, désolé. Monsieur! Excusez-moi, vous connaissez Johnny Hallyday? Pas du tout, non. Non, arrêtez, vous connaissez Johnny Hallyday? Absolument pas, non, je suis désolé, monsieur. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. C'est un cauchemar, je vais me réveiller, il suffit d'attendre. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, le désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini, y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Oh, quelque chose de Tennessee. Ça va pas? Mais tu déchiffres comme ça. Ah oui, c'est écrit.